Salut, salut, bonnet, et on est dans une blague de Toto. C'est parti. Mais c'est des blagues de Toto. Parti. Allô? Oui, bonjour. Peux-tu me passer ton papa, s'il te plaît? Papa est occupé. Alors passe-moi ta maman. Maman est occupée. Et il n'y a personne d'autre dans la maison? La police. Ah bon? Alors passe-moi un policier. Ils sont tous occupés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père est occupé, ta mère est occupée, la police est là, ils sont tous occupés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils me cherchent. Je ne pas, ma chérie. Je suis jeune. La maîtresse, elle ne m'aime pas. Elle n'arrête pas de me poser des questions difficiles. Alors, il paraît que vous persécutez mon fils, que vous lui posez des questions très difficiles, sans arrêt. Mais enfin, pas du tout. Bon, Toto, combien font de plus de... Tu vois, elle recommence. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas regarder dans ton cartable pendant les contrôles. Mais Tu crois que je ne te vois pas chercher les réponses dans ton cartable? Mais c'est pas mon cartable, c'est celui de Mimi. Et on a encore deux trois dernières, et ça et tout. On écoute celle-là, et ça, deux autres. Et tout après. Un épicier et moi je suis ta cliente. Je t'achète une salade à 1 euro, plus un kilo d'orange à 3 euros, plus un gros morceau de fromage à 1 euro 50 et 6 litres de lait à 4 euros 50. Combien je te dois? Alors, combien je te dois? Vous en faites pas, ma petite dame. Vous me paierez demain. Contrôle de maths et j'aime pas les contrôles. Tu sais, Flagada, hein? J'ai bien réfléchi. Moi, à l'école, il y a une chose que je déteste encore plus que les contrôles. C'est quoi? C'est quand la maîtresse les rend. On s'en va un peu plus tard. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai dans mon assiette? Si jamais je dois décrire au médecin ce que j'ai mangé. Quand on mange, on ferme sa bouche. Oh, pardon, grand-père. Toto est enrhumé. Bon, garçon, quand on tousse, on met sa main devant sa bouche. Je sais, grand-père. J'ai déjà essayé, mais ça n'empêche pas de tout. Je le connais.
Ma petite sœur Zaza, elle a le même. C'est Cucu. Oui, t'as peut-être raison. Ah, celui-là. Ouais, je le connais aussi. Bof, y a pas assez de dessin dedans. Trop nul. Ah, je connais aussi celui-là. Et alors, il est bien? Ah ouais. Celui-là, il est génial. Jusqu'à la dernière page, tu peux même pas deviner que l'assassin, c'est le facteur. Pourquoi demandes-tu que Tokyo soit la capitale du Québec, Toto? Ben,
C'est ce que j'ai mis dans mon contrôle cet après-midi. Et encore deux lapins. Combien auras-tu de lapins au total? Sept. Non, Toto. Essayons autrement. Si je te donne deux pommes, puis encore deux pommes et encore deux pommes, combien auras-tu de pommes? Très bien, Toto. Tu vois, tu sais compter. Alors pourquoi, quand je te dis que je te donne deux lapins, plus encore deux lapins, tu me dis que tu en as sept? Ben, parce que j'en ai déjà un à la maison. J'avais Toto vu cette boule-là, mais c'est bon. Félicitations, mais tu peux me dire comment tu as trouvé ce résultat bizarre? 06 92 548 736. C'est le téléphone du plombier. Encore deux vidéos et ça va être tout pour ces vidéos là. Non, j'ai rien dit, et ça a tout pour cette vidéo là après. Je vais abonner. Après cette vidéo là, ça tout pour cette vidéo là. Mais ça va être tout pour cette vidéo-là.
sera tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner. Et on se dit une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner. Et on se dit une prochaine vidéo. Bye.